Inspirez, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Salut, je m'appelle Eddy de Préto. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de ma nouvelle chanson, Love and Tendresse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes, pour essuyer le temps qui blesse. Love and Tendresse, mon premier single sur l'album Crash Coeur. Pour moi, c'est le fait de changer un peu le curseur de soi, la vision de soi. C'est que parfois, on avance dans une vie avec des mécanismes, des choses qu'on nous apprend, des éducations, des environnements. Moi, par exemple, c'était la tendresse n'existe pas, on se dit pas « je t'aime », il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de signe d'affection. J'ai grandi dans un univers où on ne parlait pas d'amour ni de tendresse, c'était quelque chose de très éloigné. Ma mère pensait que c'était l'autorité qui devait régner en maître, parce que si elle était trop tendre ou si elle était trop douce, elle avait peur de se faire bouffer par son fils qui était déjà un peu tyrannique. Donc du coup, sa force et sa réponse à ça était de rester stricte et autoritaire. Mais du coup, ça donne des enfants remplis de méfiance, avec plein de barricades. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Je parle à moi-même. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang. C'est moi, c'est comment moi je me suis restreint à ne pas aimer pendant toute ma vie. Et comment aujourd'hui, je découvre un peu l'amour. L'amour des autres, l'amour de soi. En tout cas, le récipient, le bol rempli de love et de tendresse. Et comme eau, ça fait du bien de pouvoir le découvrir. Et plus tu grandis, plus tu comprends aussi petit à petit que il faut un peu changer ces choses-là pour te faire un peu de bien et pour apprendre à gérer au mieux le quotidien. Et l'homme et tendresse, ça parle de ça. C'est comment s'accepter, comment se donner un petit peu plus d'amour et de tendresse au quotidien pour tenter un peu de s'apaiser un peu plus, de s'accepter soi, d'accepter aussi que les autres viennent dans notre cercle et donc de tenter l'impossible pour certains qui n'ont pas grandi avec l'amour et la tendresse tout banalement. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. Je pense que ce titre, c'est un titre un peu de kiffer en mode putain, prends le temps, juste en fait, fais une pause sur ta notion de réussite, sur ta notion d'argent, sur ta notion de rêve, sur ta notion de travail. Et juste fais une pause avec ça. Tente ce que tu ne t'es jamais tenté avant, c'est-à-dire un peu d'amour et de tendresse. À force de laisser passer les choses, de faire un peu des checkpoints de sa vie, parfois on en oublie l'essentiel, c'est que on avance avec des énormes objectifs. Moi, j'ai des objectifs de carrière, de vie, de réussite qui sont hors normes, parfois un peu trop hautes, je pense même, pour me satisfaire au quotidien. Donc du coup, quand tu vois que ça et que tu te mets des œillères pour pas voir les choses positives qui peuvent arriver aussi autour de toi, t'arrives à 30 ans, voire parfois même pour certains à 40 ou 50 ans, sans avoir réellement eu la sensation d'avoir kiffé au maximum. Moi, je crois véritablement que il y a un peu ce truc de vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai l'impression qu'on a tous un peu au coin de notre tête le côté, bon, si ça foire, je me casse à l'autre bout du monde, vivre dans une tiny house toute petite avec un mec ou une meuf, avec un petit chat trop mignon comme sur YouTube, et puis vivre ma petite vie sans demande financière, sans loyer, juste comme ça, au liqueur. Et moi, je l'ai en tout cas, cette petite musique de fuite. Et c'est ce qu'il nous reste, parce que je pense que vivre d'amour et d'eau fraîche, en vrai, c'est peut-être un peu naïf comme ça sur le papier, mais ça me déplairait pas mal. Plus je vais vieillir, plus je pense que je serai le petit papy avec son livre sur la rocking chair qui regarde la vie passée et qui est très heureux. Love and Tendresse, c'est une période où j'allais pas très bien du tout, émotionnellement. Je croyais peu en moi, j'étais pas dans le bon mood, j'avais pas de bonne énergie. Et puis, je rencontrais des producteurs à droite et à gauche pour tenter un peu de relancer la machine, parce que dès que j'ai du temps libre, je trouve le temps long, donc j'aime l'utiliser. Et donc, je rencontrais des gens pour avoir un peu des tonalités, des énergies, et puis la chanson est arrivée comme ça, tout simplement. Le refrain est un peu sorti comme ça, sur un air assez naturel, très facile. Je me suis dit, fais confiance en ça, crois en ça.
C'était en automne à Paris. Et puis, c'était dans un studio, avenue de la Grande Armée. Les studios sont assez charmants, assez beaux, assez doux. Et puis, il y a des pianos un peu dans toutes les pièces. Et puis, on s'est mis là au piano. Puis, on a commencé à vibrer et tout. Moi, j'avais pas du tout confiance en moi à cette époque-là. Donc, j'étais là en mode, oula, il y a peut-être rien qui va sortir, quoi. Il y a peut-être rien aujourd'hui, là. Et puis, ce truc est sorti. Et j'ai été touché par... Ouais, le sens très simple de pouvoir dire ces choses-là. Sans stylo, sans papier, sorti comme ça. Non, mais après, bien sûr, je me suis mis sur ma feuille et j'ai travaillé pour avoir le couplet, pour avoir plus de précision et tout. Mais le premier jet est arrivé comme ça, piano-voix avec juste un peu de love et de tendresse. Finalement, c'est ce qu'il nous reste, que de l'amour, que des beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Il y a ça qui est arrivé assez directement. Et puis, et après, tu tires le fil de ce premier jet. Voilà, c'est des choses où je me cherche un peu. C'est pas parce qu'on est artiste que, justement, je crois qu'on est encore plus perdu que quiconque. C'est que on cherche un peu en nous, en ce que les gens donnent autour de nous. On cherche à attraper des choses et tenter de les retranscrire avec notre émotion. Et parfois, ça sort comme ça sort et on est un peu le papier buvard de cette société naturellement. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Les couplets, c'est drôle, j'ai aucune mémoire de comment j'écris les couplets. Je me rappelle que quand j'ai eu dans les trop tard de tes 30 ans, j'étais en mode, ça, c'est du Edith de Prétor. Faut le garder. Les illusions, le côté trop tard de tes 30 ans, les choses qui cognent, les choses qui frappent. J'ai beaucoup joué dans toute mon écriture depuis le premier album sur justement les consonnes qui viennent se répondre et qui se cognent entre elles. Et j'ai toujours aimé ça, l'aspect sonore des mots. Dans les trop tard de tes 30 ans, c'est vraiment du pain béni pour moi. Donc j'étais très content. C'est pas une partie de plaisir. C'est pas ma partie préférée que d'être en studio et de regarder en soi et d'aller gratter les merdes qu'il y a à l'intérieur pour tenter de trouver quelque chose à dire. En fait, tout ça, c'est un prétexte pour moi pour faire du show, du live. Donc, je fais des albums, j'écris, je fais des interviews, je fais de la promotion pour une chose, c'est pour faire de la scène. Si j'avais pas besoin de faire tout ça pour faire de la scène, je ferais rien de tout ça, même pas un album. Mais j'ai vite compris, en fait, quand j'étais plus jeune, que si je voulais être sur la scène, il fallait que je trouve des choses à dire. Comment incarner ce que j'étais sur scène? Comment le raconter? Une silhouette, un propos, une diction, un timbre. Donc très vite, je le savais qu'il fallait que j'alimente quelque chose en moi et que je le dessine petit à petit. Et c'est pour ça que je fais tout ça. Je fais une tournée surprise en ce moment et je suis ravi de revenir aux Nuits Secrètes sur un parking. Le rendez-vous est plutôt cocasse. Une petite exclue. Ça s'appelle Love and Tendresse. Cet été, on a fait une petite tournée de lancement d'album un peu surprise. On allait à quelques festivals sur une box énorme qui était une enceinte géante. Vu qu'on m'a vu dans les Zéniths auparavant sur des petites enceintes souvent, en plein milieu de la salle. Là, j'avais envie de x10 grossir cette enceinte et aller dans des festivals en plein milieu de la Pampa dans le festival pour venir un peu faire des happenings surprises comme ça. Donc non annoncés et tout. Et on chantait un inédit et c'était Love and Tendresse. Les gens dansaient en vrai, les gens dansaient et c'était assez cool de voir comment ils pouvaient réagir sur ce titre. C'était dur pour moi. Niveau sonore, c'était dur. C'est pas facile de chanter sur une grosse enceinte. Donc du coup, les conditions étaient extrêmes, mais de voir les gens kiffer, c'était assez cool. Le clip, pour moi, il fallait qu'il raconte le côté répétition de la vie. C'est-à-dire, peu importe les crashs ou les murs qu'on se prend, on joue tous le jeu de se relever et de tenter de mettre du sourire là-dedans et de tenter d'y recroire à chaque fois. Et donc, c'était un peu ça l'image que je voulais donner. C'est-à-dire, peu importe le mur que tu te prends dans un crash test de voiture, comme si tu étais le mannequin, et ben en fait, t'avais une nouvelle vie. Jusqu'à peut-être la mort, je sais pas. Moi, j'ai vraiment la notion de la vie un peu comme ça. Je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais moi, j'ai vraiment cette notion de du jour au lendemain, on peut t'appeler et t'apprendre le pire. Tu peux tomber au fond du gouffre pour ça. Et puis, petit à petit, tu vas recoller les morceaux pour retenter de recroire en la vie, de ressourire.
avec une innocence telle que potentiellement on pourra te rappeler dans 10 jours et te redire une nouvelle atrocité. Et quand bien même tu vas redevoir te relever avec toutes les choses que tu as en toi, tenter ça, bah, je trouve que c'était beau. Et c'est cette image que je voulais faire garder du clip, c'est-à-dire se raccrocher à on ne sait quoi, mais se raccrocher. Quand on fait un troisième album, on cherche forcément à se renouveler. Donc, même dans son écriture, j'ai trouvé d'autres façons d'écrire, de raccourcir même certaines phrases que je trouvais parfois à rallonge, d'être un peu plus efficace, de trouver des termes qui peuvent ramener une image très rapidement. En tout cas, moi, je peaufine à chaque fois mon écriture. Même cet album-là, j'ai essayé un peu l'humour, entre guillemets, avec Papa Sucre, en tout cas, l'ultra-dérision, avec Crash Test également, qui traite un peu de toutes les choses qu'on voudrait faire avant de crever. Je ne veux pas crever avant de porter des Santiago. Cracher au bord de la route tous les bubble tea de Taïwan. Crash Cœur, mon troisième album, je l'ai volontairement amené vers les sentiments. Donc je me suis laissé me connecter beaucoup plus à mon intime que sur mon précédent album À tous les bâtards, où c'était beaucoup plus une critique, une analyse de l'extérieur. C'est moins un regard critique ou analyste de l'époque dans laquelle on est. Quoique, parler de l'amour de soi, de l'amour envers les autres, de savoir aimer, de comment s'aimer et de comment relationner aujourd'hui dans un monde qui s'écroule, c'est tout de même aussi politique. Et donc, c'est pas un album si léger que ça dans le fond. Il y a cette quête un peu de bonheur là, et ben je trouve que c'était un peu l'objectif de cet album. De tenter d'arriver, de parler d'amour et de peut-être le toucher même, cet amour. Sur l'espoir pris d'assaut et les rêves qui se meurent. Toute cette peur en écho qui ronge tout de l'intérieur. Là, sur cet album, je voulais aussi créer un souffle, c'est-à-dire créer une parenthèse sur un monde qui, je trouve, touche au chaos, socialement, sur tout un tas de critères qui devient de plus en plus abrasif. On dirait qu'on est sur une étincelle qu'à tout moment ça peut vriller. Et donc, je trouve que un des rôles de l'artiste aujourd'hui est aussi de savoir mettre des bulles, des safe places, entre guillemets, des endroits où on peut se retrouver. Et cet album, il a été fait pour ça, je crois. Je me suis dit, viens pas rajouter du commentaire sur tout ce que déjà les gens commentent au quotidien. On est écroulé, inondé de commentaires. Et j'avais pas la force ni le recul pour l'écrire justement, ou en tout cas avec suffisamment de maturité, pour venir rajouter mon commentaire de non-expert sur les choses. Donc du coup, je me suis dit, parle de ce dont tu es expert, c'est-à-dire toi, ton corps, ton cœur, comment tu te ressens, comment tu ressens les autres. Je pense que mon engagement, il est profond, il est en moi. C'est quelque chose d'assez naturel. J'ai toujours voulu et vu surtout la musique et même l'art au sens plus large comme quelque chose qui peut aider les sociétés à s'émouvoir, à bouger, à changer, à questionner du moins. Donc à chaque fois que j'écris un album, j'ai cette petite flamme et cette petite envie profonde que ça puisse venir questionner autrement de nouvelles personnes, que ça puisse venir bouger les lignes de certaines vies aussi. Donc ça, c'est un peu ma mission secrète que je me donne à moi-même quand je fais de la musique et quand j'essaie d'écrire des choses. Je crois que c'est des choses qui sortent de moi et que j'ai envie de raconter directement le plus naturellement possible. Quand mes crash tests, mes erreurs, les nombreux SOS qui appellent au bonheur, sur le reste, toutes les choses bien trop laides, celles qui m'empêchent encore d'être. Crash Cœur, ce que j'aimais, c'est les sonorités paradoxales entre le cœur qui peut avoir un sentiment, une émotion parfois même un peu mièvre, un peu légère, assez douce. Et Crash, je trouvais que venait contrebalancer cette douceur-là. C'est-à-dire, on va cogner nos corps, on va cogner nos cœurs, on va les faire exploser contre des murs, on va les explorer dans toutes les épreuves de la vie possible. Et c'était un peu comme un crash test, comme on crash test notre cœur. Et ben, je trouvais que Crash Cœur nous amenait dans ces imageries-là. Il est très ambivalent, on est toujours sur un bord de falaise, au bord du précipice, avec le positif derrière soi. On tangue, on est entre les deux, il y a pas mal de ruptures, donc il y a un peu cette schizophrénie d'émotions comme ça, en mode peut-être je vais tomber, peut-être je vais me retenir, je vais m'accrocher aux choses qui restent, sur lesquelles je peux m'accrocher. J'avais vraiment envie de faire ressentir ça en termes de musicalité. Un peu de love et de tendresse. Je pense que ça fait du bien aux gens, je crois.
Le morceau est en train de monter sur énergie d'ailleurs. Les gens se l'accaparent petit à petit. En tout cas, ça fait du bien. Il faut se l'approprier aussi. Il faut ce temps-là. Je crois que, en tout cas, les messages que je reçois, c'est merci de nous dire avec poésie la beauté de ce monde et l'essentiel. Je reçois beaucoup de messages comme quoi les gens oublient aussi de s'offrir ça. Dans le train-train quotidien, dans la vitesse de ce monde. Y a beaucoup de gens qui, du coup, se raccrochent à ce titre en mode « Ah ouais, en fait, c'est vrai, ça peut me faire du bien aussi à moi. » Et donc ça, c'est un très beau cadeau pour moi. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast énergie. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Interview et rédaction en chef, Sarah Conan et Anaïs Koopman. Et à la production, Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires, on adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.